Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers compatriotes, bonjour ou bonsoir. Voilà, TV du peuple RD Congo. Voilà, comme d'habitude. Wabeno Symphorien Mbalandaï. Mbotenabino Banso. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour ou bonsoir. Voilà, nous sommes ici, place de la Victoire, avec la communauté congolaise pour une marche de protestation contre la guerre nous imposée à l'Est. Vous voyez, ça c'est la communauté congolaise. Et la place de la Victoire, ça se trouve, oui, devant la gare de Verviers, voilà, notre ami belge. Salut. Ouais. Voilà, nous protestons contre la guerre nous imposée à l'Est par l'OTAN, l'Union européenne, qui utilise le Rwanda pour partitionner notre pays, pour le diviser en deux ou en morceaux. Voilà, cette guerre ne sera jamais gagnée. C'est une guerre économique pour piller notre pays. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone, s'il vous plaît? Je vais donner juste un coup. Il y en a encore là-bas, les calicots. Bonjour Vendé. D'accord. Bon, plus loin, c'est la gare de Verviers. Nous sommes en province de Liège. Donc, nous marchons. Bonjour. Ah oui, ça va, et toi? Bonjour papa. Ça va. Ça va. Moi, la vie, non. Tu n'as pas On dirait moins de 20 ans. Cher presse, la voiture ne va pas démarrer, hein? C'est juste pour mettre dans le coffre. Ah oui, d'accord. Je vais l'emmener. Ah, il n'y a pas eu le temps d'écrire. Hein. La voiture, elle est là, mais. On coupe, c'est ça. Hein? Oui, mon caron. Voilà. Oudianze, mon caron. Attention, Chibi, tu as passager, tu as diable. Donc, ou dois je couper un bouton ou boisa, ou si je couper. La voiture est là. Ça ne sera pas compliqué, je risque de ne pas bien fermer. Ah, non, tu ne. Oh, tu crois, combien de c'est pas grave. Bah, ils sont déjà partis. Voilà, place de la Victoire. Voilà la communauté congolaise, un peu plus loin, je vais les rejoindre. Voilà, nous les avons rejoints et stop au génocide en RD Congo. Voilà. Allez, Kamali, bosse, non, c'est rien. Et voilà. Voilà la tête de la Mali. Voilà, nous marchons contre la guerre nous imposée à l'est du pays par le Rwanda.
et ses mentors, l'Union européenne et l'OTAN. Ça, c'est le pape qui l'avait dit. Ôtez vos mains du Congo. Le Congo n'est pas à vendre. Ça, c'est le pape. Le Congo n'est pas à vendre. Ouais. C'est à partager. Ouais. Allez, des slogans, chantez. Kagame assassin. Allez là, Nicolo. Kagame assassin. Et c'est qui envoie Kagame? L'Union européenne et les Américains. Là, vous avez compris. Voilà. Nous sommes quand même assez nombreux. Hein. Je vous rappelle que nous sommes en province de Liège, à Verviers. Assassin, Kagame, assassin, assassin, Kagame, criminel, Kagame, assassin, Kagame, criminel, Kagame, assassin, Kagame, assassin, Kagame, assassin, Kagame, assassin, Kagame, assassin, assassin, Kagame, assassin, assassin, assassin. Je nous rappelle que nous sommes TV du peuple, RD Congo. La marche continue. Nengenini, Vandeko, Baimboka. Ah oui. Bonjour, ma pone colo. Et à solo. Nous sommes dans un abisso. Vendele Kweyate. Ça va. Complice. Assassin. Complice. Criminel. Complice. Criminel. Complice. Michel, complice. Oui, ça va. Ouais. Complice. Belgique, complice. Complice. Assassin. Complice. Assassin. 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 Complice. Assassin. Complice. Complice. Assassin! Assassin! Oh non, oh, je vais pas vous complice! Complice! Assassin! Louis-Michel, complice. Assassin! Assassin! Assassin!
Assassin. Folie. Photos ici, hein, désolé. La marche continue, la marche continue. Je nous rappelle que il s'agit de la chaîne TV du peuple RD Congo. La marche continue. Génocide à l'est de la RDC. Je suis Goma, comme vous pouvez lire sur le panneau. Complice. Je suis Goma. Complice. Silence is the greatest ally of sexual violence. C'est écrit en anglais. Le silence est le plus grand complice et l'allié des violences sexuelles, comme c'est écrit sur ce panneau. Tu prends un médicament très fort, tu fais maigrir. Non, non. Alors c'est l'exercice, le régime. Oui, le régime, oui. Ah. Mon cher, c'est mon compagne, là. Ici, nous sommes déjà à la place verte. Ici, c'est la place verte, au centre de Verviers. Nous sommes sécurisés par la police. Voilà, comme vous pouvez le voir. C'est la vérité, vous savez que c'est l'Union européenne qui finance
Paul Kagame pour nous piller, nous faire cette guerre. Voilà. Il n'y a pas longtemps, Emmanuel Macron vient d'octroyer 20 millions de dollars à Kagame. Il n'y a même pas une semaine pour financer Paul Kagame. Ils veulent tous la balkanisation de notre pays à cause des minerais. C'est une guerre économique. Et voilà, il ne faudra pas s'étonner si nous nous allions à la Russie, même à l'Iran, comme Mobutu te disait, pour sauver le Congo, nous ferons le pacte même avec le diable. Voilà. Je te dis à Bayan Pigneux dans le monde entier. Si on peut avoir votre attention, comme vous le savez, ce monde ici nous réserve des surprises. Ça fonctionne avec la mesure de deux poids, deux mesures. Vous le savez très bien que l'Ukraine est en guerre, la Russie est en guerre, mais comme vous l'avez bien vu, c'est vrai, il y a beaucoup de dégâts, beaucoup de morts en Ukraine et en Russie, mais l'Europe, l'Occident a réservé des moyens colossaux pour aider les Ukrainiens. Vous avez remarqué le déferlement des réfugiés ukrainiens en Europe. Ils sont venus ici, ils ont été accueillis dans tous les pays européens et on leur a donné des moyens. Aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne est en train d'aider l'Ukraine dans cette guerre contre la Russie. Seulement, si vous avez bien observé, le Congo, cela fait 30 ans, plus de 30 ans, et aujourd'hui on compte plus de 10 millions de morts. Aucune attention à ces morts-là. Il y a un silence coupable des médias occidentaux, que ce soit toutes les chaînes de télévision, de radio, on ne parle pas de tout ce qui se passe au Congo ni en Afrique. Toute l'attention sur l'Ukraine et la Russie. Deux poids, deux mesures. On ne parle pas de nos morts dans les radios, les télévisions, en Occident, en Europe, en Belgique où nous sommes. Il nous revient à nous de nous mettre debout, de parler, de crier fort pour attirer l'attention sur ce qui se passe dans nos pays. Parce que nos pays regorgent tellement de richesses qu'ils veulent garder le silence sur ce qui se passe dans nos pays afin de bien se servir. Comme vous le voyez, vous filmez avec des GSM, des smartphones. Mais ces smartphones sont fabriqués à base du coltan qui est volé dans notre pays. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il n'y a plus de barrières. On est informé de tout, à la minute même. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? Beaucoup de déplacés, beaucoup de réfugiés et surtout beaucoup de morts.
Et le silence, personne n'ose dire, personne n'ose parler. En mémoire de tous ces morts-là, en mémoire de tous nos frères, toutes nos sœurs, toutes nos mamans qui ont subi des sévices ignobles, nous allons garder une minute de silence en pensant à tous ces morts-là. Ensuite, nous reprendrons le chemin vers la commune. S'il vous plaît. Merci à tous. On peut reprendre. On continue. Quand on a une minute de silence, on doit enlever les chapeaux. Elle doit parler, elle doit parler là-haut. Prochainement, il faut y penser. Allez, on peut. Nous pouvons maintenant continuer notre chemin vers la commune. S'il vous plaît. C'est trop tard. Patrick, il est où qu'il recommence avec les slogans? Patrick. Ouais. Patrick. Slogan. Des chansons révolutionnaires aussi. On se remet en chemin, les amis, on se remet en chemin. Voilà, on va finaliser la marche maintenant. On se dirige vers l'hôtel de ville là-haut. Voilà. Ça, c'est la compatriote Jacqueline Mboï et son mari Richard Gonz. Voilà. On va arriver à la maison. C'est bien, hein? C'est vraiment bien. Hein? Ah, mais oui. Hein? C'est vraiment bien. Hein? Oui. On s'est bien passé. Tu dis quand même du Foucault. Mais oui. Oui, nous nous dirigeons maintenant vers l'hôtel de ville. Le président de la cellule de l'UDPS, mais aujourd'hui c'est le Congo, il vient de faire un briefing là contre la communauté internationale qui finance le Rwanda pour balkaniser notre pays à cause des richesses.
Seigneur. Complice. Complice. Oui, complice, mais pas 100%. Kagame. Il y en a quand même qui sont pour nous. Hein. Kagame, assassin. J'ai eu tout le monde. Ah bon, hein? Ouais. Oui, elle était très ouverte sur la peinture. Moi, c'est ça qui est Violet.
Voilà, ça c'est vrai ça. Congo, billet, Congo, billet, Congo, billet, Congo, billet, Congo, billet, Congo, billet. La Belgique, complice. La Belgique, complice. L'Amérique, complice. L'Amérique, complice. La France, complice. La France, complice. Nos mamans, violées. Nos mamans, violées. Nos enfants, violées. Nos femmes, violées. Nos enfants, violées. Nos filles, violées. Nos mamans, violées. L'Amérique, complice. L'Amérique, complice. L'Allemagne, complice. 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 Voilà, on est presque arrivé à l'hôtel de ville, c'est là au fond. Venez tous à Verviers dans ce restaurant d'Al Flavie. Et Christian, où est-ce qu'il est? Christian. Ah, il est avec les enfants. Voilà, ça c'est l'hôtel de ville. Ça s'appelle aussi la place du marché à Verviers. Il y a tous les samedis un marché en plein air ici. Autour. Ouais.
voyez le beau bâtiment. Ouais. La maison communale de Verviers. Désolé, l'assassin. Désolé, de femmes. Voilà. Nous sommes arrivés au terme de notre manifestation. Vous avez le drapeau de la commune de Verviers, le drapeau de la province de Liège, le drapeau du Royaume de Belgique et puis le drapeau de l'Union européenne. Le drapeau vert, je ne sais pas, vert blanc, c'est Verviers. Ah non, l'autre drapeau, c'est la province de Liège, celui-là. Le drapeau vert, c'est la commune de Verviers. C'est clair. Kagame, assassin. Kagame, assassin. L'Occident, corrompu. L'Occident, corrompu. L'Europe, corrompu. L'Europe, corrompu. L'Amérique, corrompu. L'Amérique, assassin. La Chine, corrompu. Bonisseur, madame. La Chine, la Chine. Moi, là, comme on fait, d'ailleurs, comme un camingi. Na groupe na biso wana mais oui mais za tekniki assassin. D'accord, pas de souci. Assassin, assassin, assassin. Oh ndego boni olobinini hein, olobinini tous en direct hein. Même pas un millimètre carré. Ça va. Tu dis quoi? Non, moi. Nobel Kamoko Ponamboka. Présence déjà. Présence vendée à la mabile. Ok. Donc, c'est pour cela qu'on se bat pour ça. Mais bien on sûr. On a ma génération, à bas, Nabiso, c'est normal. Ok, ah, on est Ndeko Robert. Oui. L'Andeko Banz, grand mécanicien de la communauté. On va le faire. Il est où? Ah, mais ici, il n'est pas là. Eh bien, nous sommes au terme de notre marche, notre manifestation. Bientôt, le président de la cellule de l'UDPS de Verviers va clôturer. Monsieur Dominique Makombo. J'espère que notre protestation a eu un impact et aura de l'impact dans le monde entier. Voilà, surtout que nous étions accompagnés des autorités de la commune de Verviers qui ont pris aussi la parole juste avant de marcher à la place de la victoire.
Ça s'est bien passé, on n'a rien pillé. Et puis, nous avons été accompagnés par la police de Verrier, que vous pouvez voir là. Oui, voilà, ça s'est très bien passé. Dis, mais clôture, tu attends, Gianti n'est pas là. Apprenez ça à vos enfants, à vos petits-enfants. Encore, encore. Tu es comme assez, maman. Je recommande. Oui. Notre Congo sera toujours uni. Il gardera toujours son unité. Kivu, Kasai, Katanga, Kinshasa, Équateur oriental qui forme le Congo. Et pas Congo, maman. Voilà. Voilà. Une bonne compatriote. Mais Congo, Congo, ce n'est pas Congo. Ça, c'est bon Congo. Mais oui, dès qu'on dit Congo, y compris le bas Congo. Le bas Congo, c'est ça. Allez, Patrick, on y va, l'assassin. La police va se faire. Bon, la moninga n'a cassé. Hein? N'a cassé reportage. Hein? Au Kati, Wali. Mais oui, hein. Mais on l'a fini. Non, on n'a pas fini. Mais si on regarde la vie, c'est sali succès. Hein? Ah, mais bien sûr. Hein? Allez, sali succès, on a fait du tapage. Ah, ouais, ouais. Là, là maintenant. Ça, c'est les échevins. Tu vois, oui, ça, là, les deux. Attends. Délégué syndical. Ah, oui, d'accord. Chers compatriotes, nous sommes arrivés au terme de notre manifestation. Je n'ai plus de charge dans ma batterie, donc notre manifestation, notre protestation a eu un impact. Et voilà, ils ne gagneront jamais cette guerre. Cette guerre économique nous imposée par l'Occident en passant par le Rwanda. Voilà, à la prochaine dans nos prochaines émissions. Merci beaucoup. Merci Rwanda, Kudutumi Yamboléo. Yeah.